Et salut à tous, c'est Enjoy, j'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui on se retrouve pour un petit test d'un fusil d'assaut qui m'a l'air d'une violence. Oui, je parle de la Groza. Elle vient de sortir avec la saison 1 de Black Ops Cold War. J'ai enfin débloqué cette Groza et après l'avoir testée en Warzone en la ramassant par terre parce qu'elle fait partie des armes en loot aléatoire, ouais, j'étais surpris de la puissance et de la létalité de l'arme. Donc j'avais hâte de la débloquer. Donc c'est fait, on va se faire sa petite classouille des familles en Groza, bim. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Déjà on bouche un petit frein de bouche, on recule, ça c'est la base, toi-même tu sais. Ça on s'en fout, mais alors Royal, qui met ce canon sérieux? Franchement, enfin bref. Laser visé stable, ouais, poignée avant, auto-include, surtout quand on n'a que 3 accessoires dessus. Bon bah on va rajouter des munes, hein. Ça c'est un multi, c'est très important. Et on va lui mettre une petite poignée rapide, histoire de viser rapidement. Donc c'est parti, on va se mettre la petite Nuketown en fait, on va partir sur du Nuketown. Hein. Visiblement la partie est déjà lancée, je sens que c'est une partie, ça va faire mal. Oula. S'il vous plaît. On est en train de perdre l'avantage. Laissez-moi arriver. Ok, bon, je suis pas dedans là. Ah, je l'ai pas vu. Allongé dans le coin, GG. Pour changer. Toujours là, oui, t'es toujours là, merci. Seriously? Sourire pas du tout forcé. Oh bah oui. Putain, mais c'est incroyable comment les joueurs... comment les gens y jouent. Bon, la game a été rapide. On va lancer une deuxième game directe hein, parce que là, le viseur est pas très lisible. Hein. Il mériterait peut-être un petit point rouge dessus là. Domination. Sécurisation. Allez, on est parti. Capturer l'objectif. C'était un mannequin et le mec était à côté. C'est peut-être parce que la map aussi elle est... La map elle est sombre. Elle se joue pas comme en Warzone. En Warzone, elle a une cadence beaucoup plus rapide. Je m'attendais quand même un peu mieux que ça. On perd le point B. Super. Lente à viser.
toujours là avec son petit snipe, lui. L'avion espion commence son opération de surveillance. Vite, prenez les objectifs. On s'empare de Charlie. On est en tête. Ouais, non, mais c'est bon. Charlie, allez, cheater. L'ennemi contrôle le point A. Ah, c'est insupportable ce genre de mec là qui vous gâche des games tout le temps, hein, rester dans les coins là. Voilà, ils sont. Très dur, cette game est extrêmement complicado. C'est incroyable ces gens. Quel moment s'amuse-t-il ? Bah va falloir monter je pense. Elle a du potentiel. Bon, j'ai pas pris des masses de plaisir à tester la grosse A. Je m'attendais franchement à plus de punch dans l'arme. Elle est très lente à tuer. Alors je sais pas si c'est ma connexion. Pourtant j'avais un ping normal, enfin normal pour moi quoi. Donc comme ça autour des 90. Hein, donc j'ai pas une grosse connexion, mais d'habitude. Je mets pas autant de temps à tuer des mecs là, j'ai l'impression qu'il fallait vraiment énormément de balles. Je pense qu'elle. Je sais pas, j'aimerais bien avoir votre retour parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a un petit bug sur l'arme. Parce que j'ai l'impression de mettre beaucoup de balles fantômes. Vous savez, ce sont ces balles quand vous êtes sur un ennemi, mais elles touchent pas l'ennemi, elles passent au travers. Parce que peut-être ça va trop vite ou je ne sais quoi. Mais elle était pas super plaisante à jouer. Je vais la tester en Warzone. Je vais me refaire une petite classe là et je vais me la tester en Warzone. Mais franchement, pas convaincu. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à jouer à la Mac 10. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pu tester la Groza et ce que vous en avez pensé. C'était Enjoy. Sur ce, prenez soin de vous.